Bienvenue tout le monde les gars. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur YouTube. Comme vous l'avez vu au titre à la miniature, aujourd'hui ça va être bien parce qu'aujourd'hui on va faire un vrai McDo et on va essayer de le reproduire. Je veux pas descendre. Au moins, yes. Et bah écoutez, on vous met la petite recette os à l'écran et puis on va essayer de la reproduire. Transition de 80. Yes, go. Vas-y, ouvre-moi ça. Tout le monde connaît en vrai les gros porcs qui sont dans mes vidéos. Oula. C'est beau gueux. J'ai déjà envie de faire un croc. On check ce qu'il y a dedans. Ah ouais. Il y a du cheddar, il y a de la ketchup, il y a de la sauce blanche, il y a oignon blanc, un petit steak, tomate. Tout ce qu'on a pris finalement. T'as ton meilleur croc. Oh là là. Par contre, j'ai vraiment jamais goûté. Meilleur produit McDo. Non, moi j'avoue, hein, c'est bon. Là, la recette, je pense pas qu'elle est si dure que ça. Hein. Je pense que la différence, ça va être par rapport au steak. Parce que, vous voyez, les steaks là, ils sont fins. Nous, on a des steaks qui sont épais, genre c'est des charales. Là, niveau sauce et pain, c'est un peu les mêmes. Ce que je crains, c'est vraiment la cuisson si on mixe les steaks. Bon. En vrai, pour burger, je mets 8. Sur 10, moi je lui mettrais 8 parce qu'il manquait de tomates. Bon, les mecs, ce que j'ai à dire, c'est que sur celui de McDo, franchement, en vrai, c'est pas ouf. Du coup, on leur met 8 sur 10. Maintenant, on va passer tout de suite à nos propres burgers. Bien sûr, on a appris ce qu'il y avait dedans grâce à cet homme. Donc, on a acheté un oignon blanc, une tomate, les steaks hachés, donc deux. La toque du chef. Et le petit cheddar, le petit emmental, parce qu'il n'y a pas que des tranches de cheddar, il y a aussi des tranches d'emmental qu'on vous a vu juste à l'heure. Donc voilà, on a à peu près tout. Ce que j'ai à dire, c'est que ça va partir les mecs. Bien sûr, on a la sauce de côté, on a tout. Ah, j'ai perdu ma toque, putain. Mais ça va tout casser. Transition. Reach the room. La petite ping, 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 ping. On va détailler. Il m'a demandé un vrai couteau. Ça me blague pas. Choc-a-ponk. Allez, coupe les légumes. Moi, je m'occupe du steak. Je vais tout vous filmer. Là, je vous filme ça, c'est parti. Ouais, on a tous les deux notre toque. C'est nickel. Donc, vous avez une caméra là. Bonjour, la caméra. Et vous avez une caméra juste ici aussi. Et du coup, moi, je vais filmer le steak. Lui, il va couper les petits oignons, tout ça. Let's go! On prend la petite poêle comme ça, c'est carré. Le petit beurre, il faut le petit beurre. Moi, c'est plus les oignons comme ça, je pleure. Après, c'est carré. On a le petit beurre. On va enlever les petits steaks, tout ça directement. D'ailleurs, merci pour les retours de la dernière vidéo. C'était. D'ailleurs, merci pour les retours de la dernière vidéo, c'était... J'ai vu qu'elle vous avait plu tout ça, donc on va refaire de gros conseils comme ça, de toute façon on a eu plein d'idées. Bon, en attendant, je vous parle, je vais prendre notre deuxième steak. Toujours plier les wads, ça fait mal. Hein. Bon, en attendant que notre beurre il fonde tranquillement, on va voir ce qu'il fait lui. Mec, mes yeux ils sont en train de chialer, wesh. Ah ouais, ah, je me suis approché de l'oignon. Je pleure, wesh. Les steaks sont en train de cuire tranquillement. Je fais ça comme un chef. Pour la partie 2 du couloir master, est-ce que vous êtes chaud? On met un oignon qu'on croque et tout. On parle, mais les steaks sont ready et tout. Je vais enlever la petite poignée tranquillement. T'en es où toi du coup? Bon, bien sûr, steakos, c'est ça, c'est comme le 280 normal. On va mettre ça au grille-pain. Notez en commentaire ce que vous préférez entre le ketchup et la mayonnaise. C'est une tartine genre. C'est sur les steaks ça? Ouais. J'en vais ma toque. C'est parti. Ça a l'air plus que bon en vrai. C'est beaucoup plus haut que le vrai. 1, 2, 3. C'est bon. C'est délicieux. On dirait que c'est trop bon, hein. C'est même meilleur qu'un vrai. Bon,
bah du coup. Ah ouais, attends, on n'a pas donné de note. Tu donnerais quelle note à ce petit burger? Nous manquait la sauce. Ouais. C'est un bon œuf. C'est un bon œuf. Ouais, moi pareil en vrai. Mmh. Donc en vrai, si vous le faites, mettez qu'une tranche de cheddar et une tranche d'emmental. Donc ce qui fait un total de. Du coup, note exacte, ça fait pour le 280, 16 sur 20, ça. Et pour celui qu'on vient de faire. Bon bah voilà, c'était Tisma. J'espère que la vidéo vous aura plu. Un truc à ti. Big up. À Sophie, Marceau, gros bisous sur vos pétous. On se revoit bientôt.